Quand il y a mon mari, on prend des vacances. Et là-bas, c'est pas très cool, quoi. Bonjour, eh ben, nous sommes ici à l'exposition nationale sur le chat. Je suis accompagné de Caroline et de Ophélie, anciennes élèves de la maison familiale de Neuchâtel-en-Bray. C'est un grand plaisir d'assister à cette journée et nous représentons donc notre maison. Alors, en compagnie d'Ophélie et de Caroline, qui sont venues nous rendre visite, elles vont nous dire d'où elles viennent et pourquoi elles sont venues nous rendre cette visite. On vient de Vernon dans l'Eure. Donc on est venu parce qu'on est passionné des chats et qu'on voulait aussi revoir les gens de notre ancienne MFR. Allez, Caroline, alors, vous êtes aussi ici pour une visite, pour nous rendre visite. Dites-nous d'où vous venez. Alors je viens de Vernon dans l'Eure, à côté d'Évreux, et puis c'était pour rendre visite à mes anciens professeurs qui sont malheureusement absents, et puis pour voir aussi l'exposition de chats qui se passe à Neuchâtel-en-Bray. Présentez-le. Donc c'est un jeune mâle qui a 5 mois. Il est abyssin, de couleur lièvre, c'est-à-dire que sur la longueur du poil, il y a du ticking, c'est des bandes plus foncées sur la longueur du poil. Et lui, il est lièvre, c'est-à-dire que les bandes, donc le poil, il est fauve dessous, et la bande, elle est noire, comme le bout de la queue. Et comme le dessous des coussinets. Voilà, les coussinets sont noirs. Voilà. Donc, ce chat abyssin dont on a retrouvé des momies dans le tombeau des pharaons a été. Bon, comme vous voyez, c'est un chat qui est très élégant, qui est vif, qui est joueur, qui aime beaucoup ses. Qui a un comportement très très attachant parce qu'il est vraiment très proche des gens. Il est. Et c'est un chat intelligent. Mais un peu cabochard, c'est ce qu'il veut, et voilà. C'est un chat qui est agréable à vivre, c'est un vrai compagnon. Moi, c'est ce que j'aime. Voilà, donc ce qu'il a d'exceptionnel, c'est que, comme tous les abyssins, c'est des chats qui vous séduisent et qui ne vous lâchent plus. Alors, c'est une abyssine bleue, c'est la dilution du lièvre qu'on a vu précédemment. Les coussinets, comme la couleur, sont toujours assortis selon le poil, donc ils sont bleus, avec le bout de la queue aussi. Merci. Ils ont des larges oreilles à la base, bien implantées, un joli menton, une courbure au niveau du profil, des belles et grandes pattes, sans marque, un joli poil tabby, c'est-à-dire avec plusieurs bandes de plusieurs couleurs alternées. Voilà, c'est un chat très élégant, c'est un chat très, très proche, mais très, mais en même temps un peu un chien-chat. C'est-à-dire qu'il est toutes vos activités, où que vous soyez, il est toujours derrière vous, c'est le compagnon par excellence. Voilà. Bien. C'est le mot égyptien, ils existent en silver comme ici, il y a aussi des smokes, il y a des bronzes, ils ont des spots. Ça c'est un silver spotted, il y a des lignes de mascara, et c'est un chat pas très grand mais non pas non plus petit, il y a des yeux verts, gooseberry green on dit, il est très câlin, Amo est très active aussi, mais ils sont très très gentils, ils ont des spots tout partout, ça peut pas former des lignes, seulement sur le dos, et ils ont aussi les spots sur le ventre. La tête doit être triangulaire, avec les oreilles grandes, pas trop petites, et comme ça. Ils sont très gentils. This is Flame. She is an Oriental short hair. She was born in Norway, and she's now going to live in California. She is the best cat in the show. The Oriental has long legs, long face,
big ears, very long body, long tail. The standard for Orientals is all straight lines with really nice green eyes. Il présente un persan 20 grammes, il s'appelle le Baby Biscuit Invictus. Il a 2 ans, il pèse 6 kilos. Il est d'origine belge. Ses parents viennent des États-Unis, enfin surtout le papa, la maman est née à la maison. Et voilà, il marche très bien en expo, il a fait plusieurs finales et il est déjà champion. Bon, là il est un petit peu en mue parce que c'est plus trop la période, mais bon, peu à peu il prend la fourrure. Il est surtout très massif. Et là, il n'a peut-être pas très envie. Je vais peut-être le montrer comme ça. Oui. This is a cat from Russia. This is breed Cornish Rex. Wave coat, big ears. Very elegant. This is a female. This is my lovely cat. Elle s'appelle Francesca du Bonheur de Jeanne. Elle a 5 ans, c'est une persane black chinchilla, aux yeux verts, avec un joli maquillage. Donc c'est vrai que les persans sont de cette variété commencent à être plus typées. Elle a un type plus ancien, avec ce qu'on appelle un sweet look, une expression bien ouverte, et puis une expression plus douce aussi. Voilà, donc c'est une minette qui est aussi gentille et aussi pot de colle qu'elle est jolie, qu'elle est née à la maison, en 2019. Voilà. Elle adore les câlins. Donc elle est championne CFA. Voilà. It's Halloween. So she's wearing her Halloween costume. I think the thing is, if you're doing it seriously, you've got to have a job. It's really no number. Yeah, it's called the final. We wait to cut number 9. Très joueur. Ouais. Vous venez de quelle région? Je suis de la Seine-Maritime, on va dire. Il y a un micro. Okay, thank you so much.
C'est parti. Alors, je présente un Maine Coon de 4 mois et demi et il fait 4,5 kg. Il s'appelle Little Wonder. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, il a déjà eu 4 petits prix. Je suis assez fière de lui. Donc voilà, on dit que c'est un chat chien. Un chat chien parce qu'il a le comportement d'un chien. Il est aussi doux qu'un chat. Donc voilà. Il s'est ramené la balle, il s'est donné la patte. Donc voilà, il est très beau. Voici. Arching back line to really show off the racy style. Those extra large ears and beautiful, large, vivid oval eyes really give him that characteristic Cornish Rex expression. Our champion is a beautiful little chocolate and white with a very nice Marcel wave to the coat. She'll be second best. Lovely grand champion, best Cornish Rex. Thank you. Four couleurs.
C'est Ludomir du fort de la Bosse-Marnière. C'est la cinquième génération de la race en France, puisqu'avant il n'y en avait pas. Et bon, on est très content de lui, on le trouve très beau. Il a un très beau profil, c'est un chat très gentil, il a un poil très lumineux. Et je suis très satisfait de ce chat. Voilà, c'est une satisfaction personnelle importante. Il y a eu beaucoup de travail derrière, il y a eu un choix de parents qui a été très difficile. Et on a trouvé à faire des mariages avec très peu de consanguinité pour obtenir une meilleure santé possible. C'est une des races les plus rares de France. Aujourd'hui, il y en a peut-être une centaine. Ils sont en France depuis 2007. Ouais, les premiers sont arrivés en 2007. Et lui est né cette année. Il a 7 mois. C'est un chaton de 7 mois. C'est déjà un chaton bien développé. Voilà, avec une belle queue pour faire le ménage. C'est très pratique. C'est Swiffer. Ah, c'est Swiffer. Oh, pépère. C'est gentil, c'est malléable. C'est un chat très agréable. Et pas de nœud dans le poil. Ça s'entretient pas. C'est un chat sans problème. Hein, mon chacha. Ça se vit plus que ça ne s'explique. Donc ils vont être présentés là avec ses parents pour faire voir au juge du CFA à quoi ressemble un ébélo. Voilà, c'est ça. Il veut rentrer dans sa cage. Il est fatigué. Tu es fatigué, tu n'as rien fait. Oui, hein, regarde donc le micro, regarde. T'as vu, regarde. Parce que dans l'histoire, c'est quand même le chat le plus important. Hein? Hé, hey, Lude. Regarde. T'as vu, regarde la fourrure là-haut. Oui, mais c'est pas de la vraie fourrure, hein. Bon, non. Hein. Un mot égyptien, hein, qui vient des États-Unis. C'est un très beau, une très belle jeune chatte qui vient de Floride, qui va apporter du sang neuf à l'élevage français. Oui. On parle beaucoup. On a toujours quelque chose à dire. On est très bavarde. On est très bien dans le standard. On a des beaux spots. On est très gentil. Et on va être une bonne maman. Et on va être une jolie maman l'année prochaine. Hein? Tu veux jouer avec la petite fourrure du micro? Oui. Hein? Dis quelque chose au monsieur.
toi qui parles tout le temps. Elle n'a pas envie. Eh ben, elle veut pas, voilà. Ça lui a coupé le sifflet. Hein? Donc, tu es où? À l'AIME. Voilà. Tu es un chat AIME maintenant. Oui. Ils adorent les plumes. Ils vont à la chasse, hein, chez toi aussi. Ah, oui. C'est un bon chasseur. Un bon? Très, très bon chasseur. En Égypte, ils les avaient pris pour c'est un chat de chasse. C'est le chat le plus rapide du monde. Il a été chronométré à 48 km/h et il fait des sauts sans élan jusqu'à 2 mètres du sol. Oui, il a un petit gousset. C'est très puissant, c'est très gentil, mais très puissant, très musclé. C'est un chat qui est capable de beaucoup de choses. Ah oui. Sauf d'être patient. Patient, c'est pas son truc. Havana Brown, couleur chocolat. La particularité du Havana Brown, menton carré comme une pièce rapportée, un stop, les yeux verts, assez corpulent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des oreilles un peu grandes, enfin normales. Voilà. Voilà le profil. Voilà, front plat, la dénivellation et le menton dans le prolongement. Votre tête profil, s'il te plaît, bébé. Voilà. Enfin, la brune, la femelle, bah, les mêmes particularités que l'autre, sauf qu'elle est plus fine. Voilà. Profil. Mettez bien le profil. Voilà. Voilà. Ah, c'est une race américaine. C'est bon. J'ai à mes côtés M. Loux de Sainte-Beuve-Rivière, un Neuchâtelois, un pur Neuchâtelois. Ah ben, je suis à la recherche d'un Maine Coon, donc je vois ici il y en a un, mais c'est la couleur qui ne me convient pas trop. Autrement, j'adore les chats et mon épouse aussi. Voilà. Bon, ben, très bien, je vous remercie. Australian. Yeah. Yeah. I knew that.
Je me trouve en présence de Sonia Leplay, assistante de direction à la maison familiale et rurale de Neufchâtel-en-Bray, à l'occasion de ce deuxième salon international du chat à la boutonnière, édition 2015 de Neufchâtel. Sonia, donnez-nous votre impression, votre première impression au sujet de ce superbe salon international. Ma première impression, c'est vraiment un super beau concours. Il y a des super beaux chats. Enfin, c'est vraiment magnifique et une très bonne organisation. C'est vraiment très cool. Donc, c'est une très belle exposition où nous sommes fiers d'être invités à y participer.
Voilà, donc là, je suis là principalement pour présenter la maison familiale de Neuchâtel-en-Bray, notamment la nouvelle formation que nous proposons, le certificat de capacité aux animaux domestiques. Donc la toute première session aura lieu au mois de décembre, elle est déjà pratiquement complète, on a beaucoup de demandes. C'est une formation courte sur 3 jours qui permet à toute personne exerçant des activités autour du chien et du chat d'obtenir une attestation devenue depuis peu obligatoire. Voilà. Bonjour, je suis donc Sophie Dupérier, le show manager de cette exposition aujourd'hui que nous avons organisée en collaboration avec la mairie de Neuchâtel-en-Bray et la MFR de Neuchâtel-en-Bray, ainsi que l'Avicole Club aussi de Neuchâtel. Et donc nous sommes un club CFA, c'est la fédération la plus vieille du monde qui fait des pédigrés depuis plus de 110 ans. C'est une fédération américaine qui est dans le monde entier maintenant. Donc nous organisons en France 2 expos par an, nous sommes le seul club organisateur. La France a été reconnue depuis 3 ans en tant que région et sinon c'est un club où les gens font un parcours sur toute la saison de mai à septembre où ils étaient la semaine dernière en Allemagne, ils sont la semaine prochaine mettons en Hollande, ils vont aller après aux États-Unis en novembre et donc les gens ont un budget de à peu près 30 000 euros pour faire toute une saison et avoir à la fin du compte, comme récompense, le plus beau chat du monde, qui est le National Winner. Et nous avions aujourd'hui une dame qui a fait l'année dernière 3e plus beau chat du monde, qui était descendue à l'hôtel du Grand Cerf. Ils s'en rappellent encore, ils ont pris plein de photos. Et donc ici, les gens concourent ou bien pour le plus beau chat de la région 9, à savoir que c'est toute l'Europe jusqu'à au fin fond de la Russie, et que nous sommes quand même une région, cocorico, plus grande, nous l'Europe, que les États-Unis réunis. Donc voilà, c'est des gens qui sont passionnés de chats, c'est des chats qui coûtent jusqu'à 15 000 euros, c'est des chats très précieux qui sont impeccablement toilettés, qui sont aussi eux toutes les semaines en voyage et donc c'est une autre vie qu'on ne connaît pas forcément. Ici c'est un pays de vaches mais il y a aussi des agriculteurs qui vont faire le concours agricole à Paris, qui ont aussi des plaques, des cocardes. Moi je viens du Charolais, je suis bourguignonne. Et nous, on fait ça aussi chez nous. Et il y a aussi des taureaux qui se vendent très cher. Et ben, il y a des chats qui se vendent très cher. C'est un autre monde, mais c'est intéressant aussi. Et voilà, ces gens-là, c'est leur vie. Et on est très contents d'avoir été accueillis par Neuchâtel, surtout qu'aujourd'hui, on a une très belle Toussaint avec un beau temps. On ne dira pas qu'en Normandie, il pleut tout le temps. Voilà. Et écoutez, merci de nous avoir accueillis. Merci à tous les Neuchâtelois qui sont venus nous visiter. J'espère qu'ils ont été contents. À bientôt.